Vidéo 2, MyPuratos Dashboard et les différents onglets. Maintenant que votre compte est fonctionnel, connectez-vous à votre compte via la page d'accueil de puratos.fr. Cliquez sur le bouton MyPuratos, puis Se connecter. Rentrez votre adresse email, puis votre mot de passe créé lors de votre inscription, puis cliquez sur Se connecter. Vous vous retrouverez désormais dans votre espace MyPuratos. Toutes les fonctionnalités disponibles sont présentes dans le bandeau à gauche de votre écran. Produits, mes commandes, mes recettes. Vous avez également sur la page d'accueil une section Mes produits habituels. Lors de votre première connexion, cette partie sera par définition vide car vous n'avez pas encore passé de commande. Cette section vous permettra, dès votre deuxième commande, de retrouver les produits que vous souhaitez commander régulièrement. Elle se met automatiquement à jour dès que vous ajoutez un nouveau produit dans votre panier. Dans la catégorie Produits, vous retrouvez Trouver un produit, Mes promotions, Mes produits habituels. Trouver un produit, nous vous expliquons comment trouver un produit sur notre catalogue en ligne et le mettre dans votre panier dans la vidéo Trouver un produit. Mes promotions, toutes les promotions du moment sont regroupées dans cet onglet. Mes produits habituels, il s'agit de la même section que vous retrouvez sur votre page d'accueil MyPuratos. Dès votre deuxième commande, vous pourrez retrouver l'historique de vos achats à cet endroit. Cela vous permettra de les mettre très rapidement dans votre panier et de sélectionner la quantité que vous souhaitez pour chaque produit. Vous avez la possibilité d'appliquer des filtres sur votre recherche afin de retrouver un produit encore plus facilement. Vous pouvez trier, filtrer, sélectionner le nombre de produits que vous souhaitez voir apparaître par page, rechercher un produit via son nom ou son code article. Dans la catégorie « Mes commandes », vous retrouverez toutes vos commandes passées et à venir, avec l'état d'avancement de la livraison. Vous pouvez accéder aux détails de chacune de vos commandes en cliquant sur le bouton « Détails ». Vous avez la possibilité de trier vos commandes ou de faire une recherche directe via votre numéro de commande. Vous avez également accès à l'onglet « Mes factures » dans lequel vous avez directement accès à toutes vos factures classées par date d'émission. Vous pouvez y retrouver l'état d'avancement du paiement payé ou à payer, ainsi qu'un bouton « Télécharger » qui vous permettra de les enregistrer au format PDF sur votre ordinateur. Vous avez la possibilité d'appliquer un tri pour retrouver une facture plus rapidement ou de renseigner un numéro de facture directement dans la barre de recherche à droite. Dans la catégorie « Mes recettes », vous avez la possibilité de mettre des recettes en favoris en consultant notre catalogue recettes. Cliquez sur « Consulter le catalogue », cliquez ensuite sur la recette que vous souhaitez découvrir et si vous souhaitez l'enregistrer, cliquez sur le petit cœur en haut à droite de votre écran. Lorsque le cœur est rempli, la recette est bien enregistrée dans votre profil. Dans la catégorie « Contact », vous pouvez nous envoyer un message pour toute question ou remarque concernant votre compte MyPuratos. Nous y répondrons au plus vite possible. Vous avez également accès aux coordonnées de votre représentant pour le contacter à tout moment. Passer sur MyPuratos ne veut pas dire que vous n'aurez plus votre représentant. Enfin, dans la catégorie Profil, vous retrouvez vos informations personnelles, la possibilité de vous inscrire à notre newsletter mensuelle et de modifier votre mot de passe. Pour modifier vos informations personnelles, merci de vous rapprocher de votre représentant.